Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ce matin, pendant que je suis allé faire la commande des gravettes, c'était la gage. Donc voici les images. Comme vous pouvez le voir, il a attaqué un méchant tronc mort. Il n'y a que ça que j'ai filmé réellement, il avait déjà attaqué le reste. L'idée, c'était de dégager le chemin pour le passage de la piscine et d'enlever cet arbre mort. Il était complètement cuit, le bois était sec et il était creux à l'intérieur. Ça aurait dû être fait il y a un an, mais il y a un an on n'a pas réussi à caler une date, donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais essayer d'aller brosser le mur, le mortier que j'ai fait hier, le 24 heures après, je vais voir ce que ça donne si on le brosse maintenant. Je fais des essais pour retrouver la même texture que la façade. Texture que voici. Ça a été brossé puis sablé. Donc, vous voyez, les pierres sont un peu pâles. Mais il y a un brossage qui a été fait du mortier et je veux retrouver le même brossage, enfin le même effet si on fait la façade de l'autre côté. Ici, j'ai brossé hier soir et c'est à peu près la même chose, c'est pas forcément la même teinte puisqu'encore une fois, j'ai pas le bon colorant. Vous pouvez voir que là, ça n'a pas tenu correctement, mais c'est pas grave, j'en remettrai. C'était trop mouillé encore quand je l'ai brossé, donc ça s'est barré, c'est l'intérieur du tube. Pas compliqué de remettre un peu de mortier là, la prochaine fois. Mais voilà l'effet en brossant quelques heures plus tard. On va aller voir sur l'autre morceau du mur l'effet en brossant le lendemain. Verdict. 5-6 heures après, ouais, bien 6 heures après, la brosse laiton, ça allait. 24 heures après, c'est brosse métallique nécessaire pour l'effet brossé. Vous pouvez voir que le rendu, même s'il faut le dépoussiérer maintenant, est plus proche du mur de la façade. Encore une fois, je ne parle pas de la teinte, hein. Néanmoins, je me suis défoncé les mains avec cette brosse parce qu'elle n'est pas pratique avec les pierres, hein, soyons clairs. Donc, faut trouver une brosse métallique plus épaisse, idéalement avec une poignée plus grosse, ou je mettrai un tasseau sur celle-là si c'est ce qu'il faut. Hein, mais voilà, j'ai pas tout fait parce que je m'en fous. Ça va derrière le local piscine. C'était purement à des fins de test. Objectivement, c'est ce que j'aurais dû faire sur l'ensemble de ce mur si je l'avais su plus tôt. Mais je ne savais pas. Donc voilà, j'apprends. Mais ça, c'est l'effet. Qu'il faudra pour la façade. Donc faut mettre le mortier, faut le lisser et ensuite faut revenir le brosser. Il y a trois étapes, toutes pénibles. Bon, mon jean avec lequel je soude est malheureusement en cours de séchage. Donc je vais aller, je pense, couper les planches d'OSB pour les préparer et les mettre dans le local piscine. Bon, l'après-midi ne s'est pas passé du tout comme prévu. Quand les lagueurs a fini, moi je réalisais que j'avais, avec mes panneaux de bois, j'en avais pas assez, j'allais être emmerdé pour faire le dessus et les côtés. Donc je suis allé acheter 4 planches d'OSB de la même épaisseur. Ça, ils en avaient au bricomarché d'à côté. Ça m'emmerde d'utiliser ça, voir que je coupe les bords, ça va être pénible au possible. Mais bon, pas le choix, on fait avec. Donc j'en ai 4, ce qui va me permettre de tout faire sauf de faire les portes. J'aviserai. Et ensuite, pendant que je faisais ça, et madame a commencé à charger la remorque de bois et elle a fait un voyage. Et ensuite, on en a fait 4 autres. Et on a des morceaux de bois assez copieux, hein, comme vous allez pouvoir le voir. Il y en a, je ne les porte pas tout seul, on les a portés à deux, genre ça là. Le problème, c'est que tous ceux-là, pour pouvoir les utiliser, il va falloir les fendre. Donc, ça fera partie des activités prochaines, c'est de fendre du bois. C'est palpitant comme activité, hein. Mais bon, là, il y a. 300-400 balles de bois de chauffage au moins. Donc on va le brûler quand il sera sec. Il y a une partie déjà sec parce que le bois, le grand tronc était complètement mort. Donc voilà.
Dans les autres blagues, ce matin, je suis allé commander les gravettes pour la piscine. 34 tonnes doivent arriver demain, je ne sais pas à quelle heure, le camion. C'est la fête. On verra. Donc la journée va s'arrêter là parce qu'il est 20h30, que je suis brisé et madame aussi d'avoir porté ça. Je vais décharger la série 3 pour pouvoir la fermer des fois qu'il pleuve dans la nuit. Et puis demain, on reprendra la découpe du bois en attendant les camions, hein. Mais il y a encore un peu de boulot. Les deux panneaux de derrière sont prêts, aux encoches prêts pour les tubes horizontaux du plafond, enfin du toit, mais je ne pourrai les faire que quand ils seront soudés en place. Là, c'est un peu théorique. Avec les quatre panneaux qui restent, je vais pouvoir faire les deux côtés, deux parois de côté. Avec deux des planches que j'ai achetées, je fais les toits. Je fais toute cette longueur, donc il faut que je les coupe à la bonne largeur. Avec la troisième planche, je fais les deux côtés avant. Et avec la dernière planche qui reste, je prolonge deux panneaux pour remplir les cadres du toit. Bref, ce sera plus clair quand ce sera fait. Tout ça va être à l'intérieur, évidemment, et protégé. Mais c'est l'activité de demain. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain avec des courbatures.